Salut Yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis tombée sur un truc totalement what the fuck, c'est vraiment le terme exact, où en gros on va dire que 2019 c'est l'année des reboots. Alors reboot qu'est-ce que c'est? Vous prenez un animé genre qui date des années 2000-2001 et vous le refaites totalement à neuf. Donc c'est-à-dire que niveau ambiance, niveau décor, niveau lumière, niveau apparence personnage, tout change. On a eu le cas avec Sakura Cardcaptor ou Sakura Chasseuse de Cartes, comme vous voulez le prononcer, de Clamp. Je l'ai trouvé moyennement bon, parce que moi je reste toujours dans mon idée que avant c'était mieux, voilà. Sinon c'est très joli, les décors, les costumes sont mieux faits, les expressions par faciales des fois elles font un peu peur, mais bon, pourquoi pas. Et en fait dans cette même idée, ADN m'a envoyé une notif en me disant voici le dernier Sojo qui date de 2001. Je me suis dit, putain, un Sojo de 2001, j'en connais, mais je pensais pas à lui. Et là, je vois Free Basket. Et là, mon cœur, il fait non, ils ont osé. Donc, je l'ai regardé. J'ai regardé ce trailer. En fait, il y en a deux en ligne. Donc, un qui est très très court, c'est le premier. Et il y a le second qui est un peu plus long où, en gros, on nous présente déjà les trois personnages principaux, à savoir Toru, Kyo et Yuki, qui ont changé. Mais alors, changé, j'étais là, oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? La version de 2001 était moyennement beauf, parce que je crois qu'elle s'est terminée la saison en 13 épisodes. Donc en gros, je crois que le manga était toujours en cours quand ils l'ont sorti. C'était même pas fini, je crois qu'on était au tome 12-13, et il me semble que, à part la version, on va dire, améliorée de... Je sais plus quelle maison d'édition, Glénat ou je sais pas quoi. Je sais plus quelle maison d'édition pour Free Basket c'est. En gros, maintenant vous avez la version, en gros, vous avez de, on va dire, le tome 1 à 5 dans un seul volume, donc vous avez plus que 12 volumes en gros de Free Basket. Alors qu'à l'époque, je crois qu'il y en avait 22-23. Ouais, c'était très long. C'était la série la plus longue au niveau Sojo. Alors, je crois qu'avant il y a Sailor Moon, mais je les ai jamais lus donc je sais pas vous dire. Et ouais, alors j'étais assez surprise et choquée parce qu'honnêtement les personnages m'ont fait grave penser justement à Sakura Chasseuse de Cartes, cette version un peu reboot, mais en même temps niveau facial ça m'a fait penser à Glanad. Alors Glanad, si vous connaissez pas, allez le voir, il est très bien, bien que la première saison est très cucu la praline, la deuxième saison est quand même 10 fois mieux. Comment dire, alors déjà j'ai regardé les deux trailers et là mon petit cœur il a fait oh mon dieu. Alors on nous explique clairement la malédiction, donc on espère avoir tous les personnages, parce que je vous rappelle que dans la première saison, on va dire la saison 1 de Free Basket, celle de 2001, on nous présentait que Toru, les deux cousins, donc Kyo et Yuki, Shigure le chien, on nous présentait Ayame le grand frère de Yuki, Momiji le lapin, Hattori l'hippocampe, et je crois qu'il y avait aussi Kagura, donc elle c'est le sanglier, Kisa et Hiro, donc le tigre et le mouton, j'allais dire la chèvre mais pas du tout, c'est le mouton, ainsi que comment il s'appelle, Akito, voilà, le chef de famille. On nous présentait que ces personnages là or si on, comme je vous ai dit dans la vidéo sur Free Basket et Free Basket Another, la famille est beaucoup plus grande. On nous parle pas beaucoup de celui qui est possédé par le singe, Kero qui est le coq, lui on parle jamais de lui. Enfin voilà, on espère qu'avec cette mise en avant, ce petit reboot, il va y avoir plus de contenu, parce que 13 épisodes pour résumer Free Basket, j'ai trouvé ça très très court à l'époque. Et quand je l'ai revu cette série, parce qu'en ayant vu le reboot, je me suis dit tiens, j'aime remater la série, bah 13 épisodes c'est très court. Alors je crois qu'ils ont mis en valeur, enfin plus, ils ont même pas mis la relation, c'est entre guillemets, de Kyo et j'allais dire Kagura, mais en fait c'est Toru, c'est pas la même personne. Voilà, les petites relations qu'on peut, parce que le manga est quand même très riche, hein, il y a beaucoup de points sensibles, genre il y a l'acceptation d'autrui, il y a le fait que tu sois orphelin, le fait qu'on te rejette, que ça soit physiquement ou moralement, que ce soit à l'école ou dans ta vie de famille, il y a plein de sujets super importants qu'ils n'ont pas eu trop le temps, je pense, de développer en 2001, parce que le manga n'était pas fini. Ils le font souvent quand il y a des mangas qui n'ont pas totalement fini, ils te donnent un petit aperçu de ce que ça pourrait donner en animé. La série est finie depuis un bail. Maintenant, l'auteur, elle est passée à une autre série, je crois que c'est... Free Basket Another et une qui s'appelle Lotte, je sais plus c'est quoi en japonais son titre exact. Donc du coup, maintenant que la série est finie, ils peuvent faire plus d'épisodes, mais après ça reste à voir.
Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du trailer? Ben, le trailer, honnêtement, il est très beau. Alors, ça perturbe parce que moi, je connais la série, je connais le manga. Ça perturbe énormément parce que tout est refait, tout est beau, tout est super joli. Toru, elle fait grave penser à GLaDOS, bon, ça, je l'ai déjà dit. Mais à part ça, sinon, c'est très bien. Il y a des mises en scène qui sont mieux travaillées, genre la baston entre Kyo et Yuki au tout début de l'anime, comme on voit dans le manga, est très bien retravaillée. Alors, ça, j'adore. On sent que Shigure a un côté un peu plus paternel avec notre héroïne. Yuki est toujours assez mystérieux. Kyo, bah, il est un peu frustré au départ. On espère qu'il va se décongeler, enfin, il va descendre de quelques nuages après. Voilà, donc j'attends beaucoup de cette série. Alors normalement, elle devrait sortir en avril, parce que si je vois l'écran de ADN, en gros, elle devrait sortir en avril, donc au Japon. Donc on espère la voir d'ici avril, mai, peut-être juin. Voilà, donc c'était la petite vidéo sur le reboot de Fruit Basket. Je ne m'y attendais pas du tout. Au départ, j'étais partie pour refaire un spécial zombie. Et puis là, je me suis dit, non, c'est trop gros, faut que j'en parle. C'est trop gros, là, c'est pas possible. Mais j'étais pas bien pendant 20 minutes. Qu'est-ce que j'ai vu il y a 2 secondes? What? Voilà, donc je suis. Ça s'entend que je suis pas encore tout à fait bien là physiquement. Il va me falloir un peu de temps pour décompresser l'information. Et puis voilà. Non, mais c'était une petite vidéo comme ça. Donc sur ces bonnes paroles, ben, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Parce que pour moi, chez moi, ben, il est bientôt 19h, hein, 18h30, passé. Je vais faire la petite vidéo, donc vous l'aurez, je sais pas, d'ici la fin de soirée ou le lendemain. Voilà, mais je vous fais de très très gros bisous, mes petits yokai, et je vous dis à très bientôt!